Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être au rendez-vous de notre méditation quotidienne. Permettez-moi de commencer par une remarque. Le nom des 12 n'apparaît chez l'évangéliste Matthieu qu'au chapitre 10, tandis que pour les autres évangélistes, ils sont nommés au moment de l'appel au bord du lac de Tibériade. Ce pourrait n'être qu'un détail, mais peut-être pas. Chez Matthieu, les apôtres sont appelés par leur nom au moment où Jésus leur confie sa propre autorité. Nous lisons « Jésus leur donna autorité pour expulser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. » Il les appelle par leur nom au moment où Jésus les envoie en mission, comme s'il voulait nous dire qu'être disciple de Jésus-Christ, c'était d'abord être missionnaire. Toi, Pierre, toi, André, toi, Jacques, toi, votre vie entière doit être tournée vers l'annonce de l'Évangile. Et annoncer l'Évangile, c'est proclamer que le règne des cieux s'est approché. Ce règne, c'est la vie même de Dieu qui s'approche des hommes et des femmes. Et cette vie de Dieu guérit, ressuscite, purifie gratuitement. Il n'est pas question ici de donner aux gens un discours tout fait. Il s'agit bien d'accomplir ce que Jésus lui-même a commencé en parcourant toute la Galilée. Jésus, touché par la vie la plus concrète des gens, veut étendre son action pour aider ces foules qu'il a vues fatiguées et abattues. C'est pourquoi il choisit 12 apôtres et leur donne ses instructions pour la mission. D'abord en Israël, dans leur propre milieu, et plus tard dans le monde entier. Dieu a besoin de nous pour accomplir son rêve de fraternité et d'amour. Et pour Jésus, la mission est d'abord de manifester une présence, une proximité d'un amour gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette autorité que Jésus donne à celles et ceux qui l'envoient en mission n'est pas de l'ordre d'un pouvoir autoritaire, mais bien d'un service qui fait grandir l'humain en lui révélant un amour devant lequel il peut exister sans crainte. Un amour qui rétablit toute forme de dignité, qui redonne à l'humanité sa noblesse et son vrai visage. Nous sommes entourés de personnes qui souffrent de solitude, de rejet, d'incompréhension, de dépression, de gens qui sont victimes d'addiction, parfois de rage, de violence, qui vivent sans beaucoup d'espérance. En confiant aux 12 sa mission, en nous la confiant à nous aujourd'hui, le Seigneur nous demande de leur venir en aide. L'appel de l'Évangile s'applique tout aussi bien à nous aujourd'hui qu'aux apôtres du temps de Jésus. Ressusciter les morts, c'est-à-dire les aider à retrouver un sens à leur existence, à retrouver la joie de vivre. Guérir les malades, leur permettre, et à tous les exclus de la société, de regagner leur dignité, de réintégrer leur communauté. Ceux qui sont mis à côté à cause de la nationalité, de la religion, l'appartenance politique, pour qu'ils puissent faire pleinement partie de la communauté humaine. Chasser les démons, aider ceux qui sont sous la domination des esclavages de notre temps, système économique, la mode, la nourriture, la drogue, les violences de toutes sortes, les aider à s'en sortir. Comme les premiers disciples, nous ne sommes pas parfaits, mais c'est bien chacune et chacun de nous qui est appelé par le Seigneur. Oserons-nous lâcher les amarres? Prenez bien soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.